voulez quelque chose ? Je crois que le capitaine a tout suivi de notre contre-enquête. C'est signé d'une initiale M. C'est notre piste. Harlock, mais enfin ! Je voulais revoir votre visage. On veut tout savoir. Ok. Ouvrez grand vos oreilles. Parce que je vais vous raconter une longue histoire. Celle de quatre petits chasseurs qui chassent un gros, un très gros lapin. Tu crois encore que c'est moi ? Le méchant de l'histoire. Mais c'est Harlock qui a détruit les ponts et verrouillé les portes entre la Terre et les mondes imaginaires, sacrifiant la femme qu'il aimait, Marceline, et tous ceux qui sont restés derrière. En cas de problème avec les deux autres, faites-leur boire ceci. C'est quoi ? Ça se mange ? C'est de la nave, mais ça sous-scellé. Je peux en boire un petit peu aussi ? Non. Ok. Adèle ? On marche à deux. Top là. Madèle ! Madèle ! J'en peux plus, là. Arrête, s'il te plaît. Je ne suis pas Madèle. Libérez-moi, s'il vous plaît. Mon nom est Kilk. Kilk. Je suis Marceline. Lève-toi. Attendez. Lève-toi et suis-moi. On est où là ? Je devrais être mort. Je pensais être mort. Madèle aussi. Tu as bu la fiole d'Harlock. La nave pure ? Ouais. Cela vous a empêché de mourir tous les deux. Tu veux dire qu'il savait qu'on allait y passer ? Il a fait ce que je lui ai dit de faire. Vous étiez les seuls à pouvoir perdre la vie. Alors on est où là ? Je vais te montrer. Mais on ne doit pas rester ici. Il faut qu'on bouge. Harlock et Orion ne sont pas nés sur Terre. Ils sont nés ici, là où la nave trouve sa source. Bienvenue au pays imaginaire, Kilk. L'île entière baigne dans de la nave pure. Elle s'écoule du cœur de l'île et irrigue chaque partie de ce monde.
Chaque création d'un auteur, chaque monde, chaque personnage existe sous ces nuages. Harlock a coupé les ponts entre les deux mondes pour que la firme ne se l'approprie pas. Werber me l'a dit. Il t'a sacrifié, toi et son fils. Non, il n'a fait que suivre mes ordres. Il n'y a pas de regret à avoir. Nous nous retrouverons un jour. C'est elle qui t'a rasé le crâne ? Ouais. Il y a une dernière chose que tu dois savoir. En traversant, tu as perdu quelque chose. Tu as laissé derrière toi une partie de toi-même. Si tu veux repartir d'ici, il va falloir que tu trouves ce que c'est. Et elle ? Madel doit suivre son propre chemin. Laisse-la faire.